T'as besoin d'une copine, hein, Wally? Je vais voir ce que je peux faire pour trouver de quoi t'en payer une. Salut, Harold! Toujours à la pêche? Ouais, j'étais justement en train de me demander ce qu'étaient devenus mes amis du bel âge. Ça fait des mois que t'es pas venu me voir. Oh, arrête, ça fait pas si longtemps. Ça va, mec? Tiens, la preuve, tu vois, tu sais même plus comment je vais. Oh, je t'ai vu il y a 15 jours. Dis, qu'est-ce que tu fais avec ce voyou, Kat? Oh, non, Sarah. Ouais, c'est ma copine. Mais je le vois bien, je suis pas aveugle. Non, non, je suis son cum. Son quoi? C'est mon petit ami. Oh, vous vous aimez? Allez-y, oui. Profitez-en. Et toi, au fait, t'as bien dû repérer deux ou trois nanas ici. Tu rigoles pas, non? Il y en a sûrement des chouettes de votre âge. Bah, c'est bien le problème, elles ont toutes mon âge. Il n'y en a pas d'aussi fraîches que moi. Tout ce qu'elles savent faire, c'est s'affaler dans leur fauteuil roulant et se gaver de télé. Pas de sexe, pas de sexe, hein. Il m'a apporté des CD de Benny Carter, 3 ou 4. C'est de l'alto. Ah oui? T'écoutes du jazz? Oui, ça m'arrive. Je voudrais t'amener des trucs plus modernes pour que t'écoutes un peu ce qui se fait maintenant. Ce serait gentil, ça, et apporte-les-moi vite, surtout. Pendant 2 mois, comme d'habitude. Bon, maintenant faut y aller. Tu m'entends? Sinon tu vas rater ta première heure de cours. Vas-y, je partirai pas tant que je l'aurai pas vu. Même si tu dois rater ton examen? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, je sais que tu aimes beaucoup Nikki, mais... Oui, mais je devrais la laisser tomber parce qu'elle est dingue et parce qu'elle est devenue un déchet de la société. Mais je ne t'ai pas dit de la laisser tomber. D'attendre que ça se passe, alors? Ah, docteur, est-ce que je peux la voir maintenant? Nikki est sous sédatif, elle se repose, ce n'est pas le moment. Juste la voir. Je lui parlerai pas, je vous promets, je dirai rien. Il faut absolument que je la voie. Je ne préfère pas, plus tard. Il a raison. Faut pas l'ennuyer pour l'instant. Il faut lui laisser le temps de récupérer. Allez, viens. Hé, hey, écoutez-moi, je fais une collecte pour offrir une copine à Wally, notre vieille tortue. Ok, après ça, là, t'en feras une autre pour Dennis, le vieux ninja. Arrête, je rigole pas. Et alors, moi non plus, Wally peut attendre. Il a toujours vécu tout seul dans son bassin, c'est vachement dur. Ah, c'est dur pour tout le monde. Allez, c'est vite. Donne. À mon avis, on devrait boucler tous les mecs dans un bassin, l'espèce finirait par s'éteindre comme ça. Ah ouais, moi aussi. Toi, t'es pas un mec, Dennis, t'es un immonde ver de terre. Et t'aimes pas les vers de terre? Calme-toi. Aimerais bien vivre avec des tortues, hein, cœur. Ouais, il m'arrive souvent de penser que les animaux méritent bien plus de respect que certains humains. Asie. Ah bon, et moi, tu me casses dans quoi, mon sou? Bien vu. Hé, hey Kurt, tiens, j'ai un peu d'argent sur moi. Merci, Ali. C'est normal. Voilà. Tes rêves vont pouvoir se réaliser, mon pote. C'est bien envie de mon corps. T'as raison. Tu peux venir habiter avec moi et partager le loyer. Des clous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'on était potes. Non, écoute, écoute. Chez moi, j'ai ma mère qui me fait la bouffe et qui me borde tous les soirs. Pourquoi j'irais mettre du fric dans un loyer? Hein? Wouhou! Regardez le beau gosse! Oh oui, wow. Ah, comment il fait? C'est ça, la classe! Une seule nuit avec lui et la belle Nikki a perdu la boussole. Oh oui, oui! Niveau sensibilité, vous êtes vraiment des primitifs. T'es un as du machin, toi. Oh, attends, on va le savoir. Alors, monsieur Lee, est-ce par lévitation ou à cause d'une difformité que vous ne pouvez pas avouer devant tout le monde? Ça, les mecs. Ça a pas l'air aussi gros que ça. Eh, les fringues cachent beaucoup de choses. Oh non, Lee, stop! Non, je deviens folle! Non, arrêtez ça! Vous entendez ce que je dis? Je vais la faire, laissez-vous! D'accord, désolé. Faire gaffe, vous pourriez être les prochaines. Eh oui! Cette demi-portion, c'est un vrai danger pour la santé mentale de nos jeunes filles. Oui, qu'on lui colle une étiquette de super bête et qu'on l'expédie en enfer. Vous êtes trop nul. Ce que Nikki est en train de vivre, c'est affreux. Elle a raison. Ah, c'est quoi cette chose? Nikki a toujours été bas. Oui, c'est n'importe quoi. Elle vit pas sur Terre. Mais si elle l'était pas avant, elle l'est maintenant. Elle a toujours été cinglée, Brasky. Elle est cinglée. Elle est cinglée. Et toi, t'es le roi. C'est quand même une petite mise en condition. Asseyez-vous, vous êtes ici pour travailler. Salut, Harold. Ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que tu m'as demandé l'autre jour. Hein? T'es sûr que ça va? Oh, très bien. Ouais. Je prenais le soleil en charmant les fleurs avec un peu de musique douce. Comment je pourrais me sentir mieux que ça? Voilà, vas-y. Oh, j'allais le faire, une seconde. Ah, décédé. Mon poil.
Joe Lavano. Et Johnny Hodge. Johnny Hodge, c'est un type de la génération d'après Lester Young. Et Joe, lui, c'est un jeune. Ah, t'es vraiment sympa. Ah, t'es bien le seul. Qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent me transférer au terminus. Quoi? Je comprends pas. Quand on est expédié là-bas, on n'en revient jamais. Mais de quoi tu parles? D'un hospice? Oh, t'inquiète pas, je suis pas encore à l'agonie. Non, ils veulent me mettre ailleurs. Pourquoi? Oh, j'en sais rien, je me sens bien, mais... C'est l'autre vieille peau de directrice qui... Elle dit que j'ai besoin de plus de soins ou de plus de surveillance, je sais pas, mais tu sais comment je suis. S'il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'on me prenne par la main. T'en fais pas pour ça, ok? Je vais m'en occuper. Allez, Despo, si tu faisais une bonne action avec tout le fric que t'as, hein? Allez. Ça fait pas beaucoup de bruit, ton truc, c'est la lèche, hein? Oh, c'est parce que c'est le début, mais c'est vrai que ça marche pas comme je l'avais cru. Mm-hmm. Ça viendra, ça viendra. Tu sais, ça me fait de la peine, mais t'es mal barré. C'est vraiment une cause à la con, ça. Quoi? Mais je vous parlais des billes, Kurt. Faire la quête pour les handicapés, les victimes des tremblements de terre ou les bombes qui sautent sur les mines. C'est bon, ça. Des gens qui ont perdu quelque chose d'important, tu vois. C'est avec ça que tu remplis la caisse. Ouais. Mais partir en guerre pour une tortue qui cherche une meuf. Non, 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 c'est pas avec ça qu'on peut culpabiliser les gens, tu vois ce que je veux dire? Si je demandais du fric pour ça, j'aurais la honte, moi. Bon, bah alors, comment? Tu veux mon avis, Kurt? Ouais, si tu veux, mais si je fais ça, c'est parce que j'y crois. Je suis ici juste oui, pour... Oui, je sais que t'y crois, je vois bien que tu l'aimes, ton petit Wally. Mmh, ouais. Tu vois, j'ai une bonne expérience du caritatif. J'ai déjà donné pour les autres, tu sais. Ça a dû être dur, hein? À la ferme, Denis. Non, il y a deux façons d'amener les gens à mettre la main au portefeuille. Faire qu'ils sentent bien ou faire qu'ils sentent mal. Et c'est sur mon pas comme tu t'y prends que tu les feras se sentir mal. Alors comment? Écoute, laisse-moi faire, d'accord? J'ai une idée. Fais-moi confiance, tu veux? T'as l'air en forme? Non, c'est pas vrai, je me sens mal et je suis horrible. Tu veux que je t'apporte un truc précis la prochaine fois? Non, mes parents m'ont apporté des bouquins et des magazines. Tu veux pas un peu de musique? Tu veux pas que je t'apporte ton baladeur? T'adores ça, la musique? Qu'est-ce que tu veux, alors? Qu'on me laisse tranquille, et surtout toi. Personne ne sait vraiment ce qui tourne pas rond chez moi. T'as rien qui tourne pas rond. C'est pas en me disant que je vais bien alors que je vais mal que tu m'aides. Pardon. Je veux plus te voir pendant quelques temps. Je t'embêterai pas, je veux juste... Je veux que tu saches que je suis là au cas où tu voudrais parler à quelqu'un. T'es d'accord? Je suis fatiguée, j'ai la tête dans le brouillard. Ça doit venir des médicaments. Tu veux que j'appelle l'infirmière? Je veux seulement que tu t'en ailles. De se perdre, de ne plus savoir où il est ou soudainement de replonger dans le passé. Il m'a pourtant l'air d'avoir toute sa tête. Ah, c'est parce que vous ne restez pas longtemps avec lui. C'est surtout sa mémoire immédiate qui se détériore. Mais il sent bien ici, il devrait avoir le droit de rester le temps qu'il veut, non? Nous n'avons pas les structures médicales ni le personnel nécessaire à sa survie. Je le surveillerai moi-même. Oh, ne dites pas de sottises. Est-ce qu'il pourrait pas rester ici jusqu'à ce qu'il perde les pédales et après on verra? Mais c'est insensé ce que vous dites, c'est égoïste. C'est vous qui êtes égoïste, il vous laisse froide. Vous avez beaucoup trop de personnes à vous occuper. Même s'il était de ma propre famille, il devrait aller là-bas et je serais la première à le vouloir. Ça peut toucher n'importe quelle personne âgée et malheureusement, on ne peut strictement rien faire. Je suis désolée, il doit partir. Allez, prends tes affaires. Il faut que j'arrive plus tôt aujourd'hui. Non, attends, il n'a pas encore pris son petit déjeuner. Alors il sera en retard.
Par devant. Je l'emmènerai. Tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu as? Tu pensais à Nikki? Elle a dit qu'elle voulait plus me voir. Peut-être que c'est parce qu'elle est consciente d'être désagréable avec tout le monde. Elle le fait certainement pour ton bien. Tu crois? Je crois surtout que si Nikki t'a demandé de ne plus venir la voir, tu devrais l'écouter. Mais si elle fait ça pour pas me faire de la peine, ça veut dire qu'au fond, elle préférait que je sois auprès d'elle? Tu devrais la laisser tranquille, au moins pendant quelque temps. Allez, vas-y, scotche-moi ça. Ici. Qu'est-ce que t'en dis? Ça jette, hein? C'est moi qui l'ai fait, le dessin, tu vois? Ah oui, j'avais deviné. T'en reviens pas, hein? Regarde-moi ça. La nuit de la danse érotique. Et Monsieur Tortue rencontre l'amour. C'est génial. Mais Spo, tu peux pas faire ça. C'est une chose. Je l'ai fait, non? Non, c'est trop tendancieux. On peut pas afficher un truc pareil. Mais quoi? Tu veux ramasser du fric? Quelle horreur! Ben alors... c'est écœurant. Ah oui, c'est combien l'entrée? Je prends un billet. Tu vois, c'est parti. Ah, c'est une super idée, cœur. Quand il y a du blé à prendre quelque part, tu me laisses gérer l'affaire. Ah ouais, il est top là-dessus. Allez, t'en veux un billet? Ça roule. Intérêt, allez, les gars. Tu vas te remplir les poches, cœur. C'est combien? Ryan? Oui. Est-ce qu'Harold a aimé les disques que tu lui as offerts? Oui. La directrice pense qu'il perd la boule. Quoi? Je l'ai trouvé mieux que jamais la dernière fois. Ouais, moi aussi, c'est elle qui délire complètement. Il est vraiment sympa et il a tellement de personnalité. Ouais, il existe, il n'est pas largué comme presque tous les vieux. Il est un peu râleur, c'est vrai. Mais c'est un rebelle, il pense qu'à jouer du sax. Il fait plus de choses que des types qui ont la moitié de son âge. Ryan, où est-ce que tu veux en venir exactement? Ces gens-là sont en train de lui enlever l'envie de vivre, il étouffe là-dedans, il faut qu'on le sorte de là. Pour aller où? Et pour vivre avec des gens qui ressentent les mêmes choses que lui. Il est peut-être vieux, mais au fond de lui, il est resté jeune. Il a besoin de quelqu'un d'aussi décalé que lui. Hé hey! Razik! Ouais? Pareil que tu cherches un nouveau colocataire? Ouais, ce brave cœur m'a plaqué. Hey, je comprends pas pourquoi. Je suis pourtant pas un mec chiant. Hein. Ouais, moi non plus, je comprends pas pourquoi. On est quelqu'un qui est dans la musique et qui cherche un appart. Il y a des canons? Bah, c'est un mec. Ah ouais? Et est-ce qu'il a du fric? Il doit payer son loyer. Un musicos qui a du fric? Bah, il doit se sentir seul, ton pote. Ouais, un peu, ouais. Faut le comprendre, hein, il commence à flipper, il va bientôt se retrouver en cavale. Pourquoi? Il a rien fait de méchant, mais il y a une bonne femme qui va absolument le faire plonger. Genre Barnett? Oh, il a fini ses études. Il y a pas longtemps. Il lui faut vite une planque. Tu peux faire quelque chose? Un musicos marginal en cavale? C'est trop beau pour être vrai. Harold est un chic type. Et en plus, il a la cote avec les filles. Ouais, amène-le-moi ce soir. Je veux qu'il en ait une. Écoutez, je ne tolérerai pas que cette monstruosité soit affichée dans mon lycée. Cette quoi? Cette monstruosité, de l'adjectif monstrueux. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Et quoi, vous trouvez que c'est mal dessiné? Ou c'est le thème qui est exprimé de façon trop agressive? Non, je ne veux pas débattre de vos talents artistiques. Je veux que vous retiriez ça maintenant. Mais oubliez votre œil de critique. Laissez parler votre cœur. Pensez à cette pauvre petite tortue solitaire qui voudrait une épaule sur laquelle s'appuyer. Ce spectacle n'est qu'une façon à moi de tendre la main aux plus démunis. Est-ce que je l'enlève ou est-ce que vous le faites? Mais enfin, qu'est-ce qui vous détruit à ce point? Est-ce que vous êtes mêlé à cette histoire? Oui, c'est le moyen de collecter rapidement de l'argent pour une bonne cause, je vois ça comme ça. C'est horrible, c'est... Et moi non plus, j'aime pas beaucoup l'affiche. Non, mais moi je vois au-delà, c'est à notre environnement que profitera cette soirée si elle nous rapporte suffisamment. Mais la raison? Des ventes de billets? On a tout vendu. Alors vous n'avez plus de raison de laisser l'affiche ici, hein? Non, je rêve, c'est pas vrai. Il l'enlève, voilà. Merci, Kurt. Tu l'as mauvaise? Comment tu réagirais, toi, si t'avais pas la Joconde et qu'on te l'allait chercher sous le nez, hein? Et laisse tomber, d'accord? Eh ben, si notre culture dépend d'imbéciles pareils, je m'inquiète pour l'avenir de ce pays, moi, oui, vraiment. Allez, on peut y aller, c'est bon. Bonne directrice. Non, y a personne, mais dépêchez-vous. Ça, c'est de l'action. Arrête un peu de te marrer, prends ça, tu Ah, ça me rappelle un soir où j'avais joué à Victoria, dans un pub de quartier pour la soirée dansante du samedi. Et la femme du patron n'arrêtait pas de me faire de l'œil. Vers minuit, on s'arrête pour faire une pause, et la voilà qui m'entraîne dans sa chambre. Elle craquait pour les saxophonistes, et tu me connais. Elle l'a pas regretté. T'as toutes tes affaires, hein? Oui, oui. Stop, voilà quelqu'un, bougez pas. Ah bah, il a fallu que je me sauve en costume là-dedans, par la fenêtre,
En passant par le balcon pour arriver à ma chambre. Mais attends, il n'y aurait pas eu de problème si elle avait baissé le son, mais elle a dû l'entendre. Ça m'a coûté un smoking, mais ça valait le coup. T'as laissé un mot? Pas tout rigole ou quoi? Je suis peut-être impulsif en amour. Non, mais non, je suis non, stupide, non, hein. La directrice, est-ce que t'as laissé un mot à la directrice, oui, pour lui dire, oui, ce que tu faisais? J'ai dit que je me tirais d'ici et que j'y remettrais jamais les pieds. T'as pas fait ça? Mais non, j'ai écrit ce que tu m'avais dit, que j'avais besoin de sortir d'ici pour voir si je pouvais me débrouiller tout seul et que j'allais m'installer chez des amis et qu'il fallait pas qu'elle s'inquiète pour moi. Super. Oh oui, super, j'ai 20 ans de moins d'un seul coup. Qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse, petit, je m'amuse. Tu viens plus souvent que les gens de sa famille. Tu es son petit ami? Oui, si on veut. Quand Nikki me dit qu'elle veut plus me voir, est-ce qu'il faut que je la croie? Le soutien que tu lui apportes, que lui apporte sa famille et toute personne qui compte profondément pour elle est essentiel au stade où elle se trouve. Mais dans le même temps, tu ne peux pas faire abstraction du fait que Nikki est sous antidépresseurs. Elle suit une thérapie de groupe et elle est chaque jour en analyse. Tout ça est très dur pour elle. Je sens bien qu'elle a besoin de moi, mais je me demande... Moi, je sais pas ce que je suis pour elle. En tout cas, si elle te dit qu'elle ne veut pas te voir, tu dois lui obéir. Je sais que c'est dur, mais tiens bon et fais-le pour elle, d'accord? Je lui dirai que tu es passé. Merci. Ouais, c'est le sien? Ouais. Je peux le voir? Ouais, mais tu fais gaffe, hein. Oh la vache! C'est pas un rigolo, tu sais. On pourrait faire un bot de temps en temps, on pourrait même monter un groupe, tiens, ça serait le pied, ça. Les gonzesses se battraient pour nous voir. Ah ouais, mais compte pas trop là-dessus. Harold est pas très porté sur les fêtes. Les musicos vivent que pour ça? Ouais, mais il a joué avec les plus grands, il voudra pas se mêler à des amateurs. Un Sandek? Il a joué avec qui? Benny Carter et les Blue Devils, je crois. Qui? Tu connais pas? Non, c'est quoi comme zik? Du bop. Du bop? Bah ouais. Il est où, là? Il fait quoi? Sarah l'aide à descendre de la voiture. Quoi, il s'est pris une balle? Alors, quoi de neuf, monsieur le bon samaritain? Vous êtes qui, vous? Razik, Harold, ton nouveau colocataire. Ce type-là devait déjà être né quand on a inventé le saxophone. Et je sens qu'il va me plaire. Harold! Non, je vais pas retourner au lycée. Ça te ferait peut-être beaucoup plus de bien que de rester ici. Mais je suis malade. Ton état est stationnaire maintenant. Tu resteras sous surveillance, tu viendras ici chaque semaine. Et si ça me reprend? Si tu poursuis ton traitement, tu n'as aucune raison de faire une rechute. Tu as envie de passer ton examen, non? Oui. Mais je peux le préparer chez moi. Je pense qu'au lycée, ça m'apportera rien de plus. Même pas de revoir tous tes amis? J'en ai plus un seul. Tu te trompes peut-être. Il y a un jeune homme qui passe presque ses journées ici en attendant de te revoir. Lycée du passé. Mais il te fait toujours sourire. 585. 595. 605 de recettes. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit, mec, hein? Dis merci, papa. Hein? Les dernières nouvelles, il leur en manquait 1605 dollars. Avec ça, on fait un sacré bond en avant. C'est presque gagné. Et là, doucement, cœur, doucement. Tu voudrais pas que Wally s'excite pour rien? Je sais qu'on n'y est pas encore, mais... Plus, il faut plus. Mackay, là, il y a 605 dollars. Ouais. Avec ça, faut payer la danseuse. Il y en a au moins pour 300 dollars. Minimum. Alors, ça nous laisse plus que 300 dollars. Où est-ce que t'as vu 300 dollars, toi? J'ai ma commission de 100 dollars à prendre, moi. Là-dessus, il y a 200 billets pour Wally. 200 dollars de rap sur 600, où tu vas? Non, mais j'ai mal compris, non? Pourquoi? T'as les oreilles qui captent pas tous les mots? C'est du bénévolat. Ah, nous y voilà! Nous y voilà! Écoute-moi, c'est du bénévolat, tu entends? Fais don de ta commission. Que je fasse don de ma commission? Je te le demande. Faut que je prenne sur mon temps pour organiser tout ça. Si je renonce à ma commission sur ce coup-là, ça veut dire que la prochaine fois, faudra que je fasse une quête pour moi, tu comprends? C'est non, mec. Dans ma commission, non, mais t'es dingue. Bon, bah alors, 300 billets pour une danseuse, c'est beaucoup trop. D'accord. Ouais, c'est trop. D'accord, oui, d'accord. On va en trouver une moins chère, mais n'oublie pas, le spectacle devra quand même être à la hauteur. Alors, t'as vu ce que je t'avais dit? Ce mec-là, c'est une légende. Il peut rester? Oui, bien sûr. Génial, vieux. Merci.
Tu rigoles? Ça va, c'était bien? Oh, c'était formidable. Comme un concert au Trocadéro. Ils doivent beaucoup vous manquer, ces musiciens avec lesquels vous partagiez tout ça. Ben pourquoi ils manqueraient? Ils sont tous là. Vous aviez dit qu'ils étaient tous morts. Les copains du Big Band? Oui. Oh, j'aurais dû les inviter ce soir. Oh, vous êtes sûr? Oh, t'as peut-être raison, ça fait un peu tard pour ces vieilles branches. Peut-être la prochaine fois. T'es toujours là-dessus, toi? Non, t'es une vraie bête. Oh, il faut que je répète, j'ai un concert tout à l'heure. Qu'est-ce que tu manges au petit-déj? Non, laisse faire, Jeanne. Je me suis déjà pris un café, j'ai jamais pu trouver le sucre. Ah, c'est là, sur l'étagère. Oh. Tu veux vraiment rien manger? Non, c'est bon. Vers midi, je joue au Trocadéro. Tu sais, là-bas, ils te font des brochettes longues comme une table pour seulement 2 balles. Pour combien? 20 cents. T'es vraiment dans le monde des artistes, toi, pas seulement pour la musique. Tu me crois pas? Bon, d'accord, 26 et on n'en parle plus. t'es grave. Salut Harold, ça va? T'as bien dormi? Tu parles, il est branché sur le courant ce mec-là. Il est toujours sur son saxo, c'est une bête de sax. Ouais, force pas trop Harold. Bah à plus les mecs, faut que j'y aille. Je pars avec toi. Ouais, bah alors mangue-toi. Je voulais juste te prendre de tes nouvelles, mais si tu y tiens, je peux rester avec toi. Non, non, ça va, j'ai un tas de choses à faire. À l'école, les gamins, dépêchez-vous. Au fait, merci, c'est très chouette ce que vous faites pour moi. De rien, mon gars, y a pas de problème. C'est payé sans billet. Pour danser devant une bande de gorilles, non merci. $1000 suffirait même pas. Mais c'est pour une bonne cause, préserver une espèce. Pensez à cette pauvre petite tortue. Oui, Despo, mais c'est ce que tu nous demandes de faire pour cette pauvre petite tortue qu'on trouve écœurant. Enfin quoi, les minettes, pour une fois dans votre... Hé, hey, oh, hé, hey, je vous parle, oh. Est-ce que pour une fois dans votre vie, vous ne pourriez pas arrêter de penser à votre petite personne en vous regardant le petit nombril? Tu peux répéter ça? Si vous refusez de faire ça, vous n'êtes pas de chic fille. C'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi? Les chic filles dansent à poil, c'est artistique. C'est dégradant, Despo. Tu nous demandes de jouer les symboles sexuels pour de l'argent. Et justement, c'est pour ça que ça vaut le coup. Oh, puis j'en ai ras-le-bol. Allez, laisse tomber cette danse. Trop tard, on a vendu tous les billets, tout. Ça, c'est pas de chance. Merci. Sans problème. Kurt! Tiens, dis-moi ça et garde-la en souvenir. Oh, elle est du tonnerre. Sophia ne prend que 100 billets. Je vais parler et elle est partante. Est-ce qu'elle est bonne? Je veux si elle est bonne. Mon oncle s'est marié avec elle. C'est vrai? Bah oui. Mais pourquoi elle fait si vieille, cette photo? Parce qu'elle l'est, mon vieux. Elle a été prise il y a 20 ans. Ce qui fait qu'elle a à peu près le même âge que Wally. Suivante. Hey, salut, Nikki. T'as passé de bonnes vacances? C'était loin d'être marrant. Bah quoi, y avait pas d'animateur dans ton club d'agité du boca? Y'avait pas trop d'éléphants roses collés au plafond dans ta chambre, mon amour? Alors c'était comment, les électrochocs, là? Hein? C'était bien? Non. Non? Eh, t'as trouvé un truc pour te gratter le nez dans leur camisole de force, hein? Ça doit être frustrant, non? Vous savez pas ce que c'était vraiment. Ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne. Même pas à vous deux. Oh, je crois qu'elle nous fait la morale, Drazi. Vous êtes des sales petits garnements, vous recommencez à valider. Arrêtez! Lâchez-lui la paix. Oh, secours! Reculez, Fila, et prends les vermines. On arrive à la rescousse. Maman. Parez-vous. Oh, 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 oh. Hey, qui, toi, pour nous donner des leçons, hein? Et qui? Lâchez-lui la paix. Il a rien fait. Ce mec est un monstre. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Allez, dis-le moi. Oh, mais comment ça se fait qu'avant lui, t'allais bien avec d'un seul coup? Court-circuit général. Oh, ça crame de partout. Je vous déteste. Je vous déteste. Nikki, oh, rattrape-la. Oh, ma Nikki. Cette pauvre tâche. Oh, non, pitié. Vite, elle a besoin de toi, Lee. Pas. Ah, c'est pas la peine de venir à Arthès si tu supportes pas qu'on te mette en boîte, mon pote. Hey, c'est comme ça. Et oh, où tu vas, Zoro, là? Oh, hey, oh, oh, reviens, mon héros. Oh, oui. Oh. Harold? Salut. L'école, c'est déjà fini. Mais où est-ce que t'es, toi? Ben, je suis là. T'es devenu aveugle. Non, mais t'as pas bougé de la journée? Ben, si, j'ai bougé. Je me suis fait un petit café. J'ai pas pu trouver le sucre. Il est là. Je te l'ai dit ce matin, sur l'étagère. Ah oui. Ça t'ennuie si je suis direct? Ben, on n'est pas des copains. Tu commences à renifler sévère, là. Je crois que tu ferais mieux de prendre une douche. Ah. Oh. Bonne idée. C'est où la douche déjà? Au même endroit que je t'ai dit. Ah, c'était un test. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, ça va. J'ai les pieds comme une fourmilière, c'est tout. Hey, je me levais pourquoi déjà? Pour prendre une douche. Ah,
Tu veux pas la prendre pour moi? Harold! Quoi? C'est par là. Oh! Pourquoi tu m'as ramené ici? Qu'est-ce que tu vois là? Une fontaine? C'en est une. C'est pas une illusion, comme toutes celles que t'avais avant. Ton traitement est efficace. Faut que tu réapprennes à avoir confiance en toi. T'as aucune raison d'avoir peur. T'es capable de retourner au lycée et d'affronter n'importe qui. Je crois pas, non. Moi, je le crois. Et je serai là pour t'aider. Hein? Je veux pas te tenir. Pourquoi? Il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que j'y arrive toute seule. Sans qu'on soit là pour me donner la main. Alors, je suis rien, moi. Je m'en veux pas, Aline. Qu'est-ce qu'il a exactement comme problème, Harold? Il est vraiment bizarre. Je te l'ai dit, il y a cette vieille peau qui veut pas le lâcher. Il a envie de s'éclater un peu. Pourquoi? Je sais pas, il est pas là. On dirait qu'il est ailleurs. Hé! Ouais, c'est un artiste. Tu lui parles, mais non. Tu lui parles, mais tu sais pas s'il t'écoute. C'est un artiste, il a pas les mêmes préoccupations que toi. Harold, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais t'apporter ça. Je viens de l'acheter sur l'esplanade. Frank Sinatra, un sacré loulou celui-là, hein. Un type dans ton genre, ah, et comme toi, c'est l'idole des femmes. C'est sympa, merci. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau? Harold, ici, on suit des cours. Tu sais, c'est ce qu'on fait au lycée. En patin roulette, c'est super. Écoute, je crois que tu ferais mieux de t'en aller, parce que si un des profs te voit ici, il va se poser des questions. Ouais, ils vont te mettre de corvée de poubelle. Ah non, merci sergent, je me tire en vitesse. Fixe, à vos ordres. Tiens, je pense que tu devrais garder ça avec toi. Et on se l'écoutera ce soir, tous ensemble. D'accord? Ça va? Tu te sens pas trop seul? Tu t'ennuies pas? Hein? Non, j'ai un rendez-vous qui m'attend du côté de l'esplanade. Un rendez-vous? Eh oui. Bah avec qui? Oh! Ah, toi, t'es un tombeur, Harold. Oh non, 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 c'est pour ouais, un concert. Ouais, ouais, ouais. T'es rapide, hein. Très rapide. Oh non, non, allez, salut les gars. Ouais, c'est ça. Oh, Harold, prends une douche, s'il te plaît. Ah oui, très bonne idée. Je te jure, il est horrible ce mec. Si tu parles de Nikki, elle veut pas revenir au lycée. Ouais. C'est triste qu'elle ait décidé ça. Oh, elle a ça. De la chance, t'as. Mais comment ça se fait qu'on lui dit rien, monsieur? Nous, on doit tous subir cette torture. Et pourquoi elle reviendrait au milieu d'une bande de grosses brutes comme vous? Oh, je crois que c'était pour nous, ça. Mais monsieur, vous allez pas le laisser parler comme ça, hein. Est-ce qu'il a tort? On a accueilli cette pauvre Nikki en lui ouvrant les bras. Ouais. On lui a même proposé de porter ses affaires, c'est pas vrai? On lui a même dit qu'elle pouvait nous demander n'importe quoi. Ouais. J'aurais certainement dû en parler avec vous, mais je pensais que vous étiez suffisamment mature pour adopter la bonne attitude. Mature? Vous n'êtes pas très réaliste, monsieur. Oh. Sans venir la petite leçon de morale. Silence, Drazik. Bon, écoutez-moi. Environ 1% de la population est ou sera atteint de schizophrénie. Cela peut arriver à n'importe quel âge. Cependant, la plupart des cas se déclarent entre 15 et 20 ans, c'est vu? Est-ce que Nikki est schizophrène, monsieur? Oh, les médecins n'en sont pas sûrs. Mais c'est tout à fait possible, oui. C'est causé par quoi? L'addition de plusieurs facteurs, l'hérédité. Un événement très éprouvant ou traumatisant pour l'individu, la drogue peut également naître. Oh, la petite cachotière! Tu vas la fermer, Denis! Mais je peux vous dire que ce n'est pas un dédoublement de la personnalité. Ce n'est pas une forme d'aliénation mentale. Et ce n'est pas une maladie qui rend les gens plus agressifs. Est-ce que c'est clair? Oh zut, mon chou, ça veut dire que t'as autre chose. Il est absolument indispensable pour que Nikki se rétablisse que vous soyez là pour elle. Pour la réconforter. Pour essayer de faire en sorte qu'elle se sente moins différente et moins seule. D'accord? Harold? Hey, Harold! Tiens, vérifie là-dedans. Peut-être qu'il est allé faire un petit jogging. Ouais, bah en tout cas, il a pris une douche et il s'est mis une bonne dose de mon aftershave. Ah, il y a une femme là-dessous. Il a rien mangé ce midi, regarde, tout est là. Bah, sans doute qu'il aime pas ta bouffe, c'est tout. Ah bah, tant pis pour lui.
Ça t'inquiète pas, toi? Ouais, t'es pire que sa mère, tu pousses quand même. Mais il connaît pas le coin, il est perdu comme un gosse. Un gosse? T'as besoin de lunettes, toi, hein? Allez, viens, on va voir si on le trouve. Oh, mais lâche-moi! J'ai pas pris un colocataire pour devoir jouer les nounous du matin au soir. Mais ça n'a rien à voir avec jouer les nounous, Drazik. Il connaît pas le quartier, il peut se perdre. Ah ouais, je croyais qu'il essayait d'échapper à une bonne femme qui voulait le mettre en cabane. Il s'est tiré de sa maison de retraite parce que la directrice veut l'envoyer dans un hospice, tu piges? Mais oui, bien sûr que je pige. Ce que t'es en train de me dire, c'est qu'il a réellement besoin de quelqu'un qui le surveille. C'est la nana qu'il te faut pour la danse érotique, je te dis que ça, mon pote. Ouais, on va juger ça sur pièce. Ok, quand tu veux. Regarde ça. Ce que j'aimerais, ouais, c'est surtout qu'on puisse en voir un peu plus. En voir plus? Tu peux traduire, s'il te plaît? Ce qu'il faudrait, tu vois, c'est que tu perds deux ou trois petites choses. Enfin, tu pourrais balancer ton chemisier. Ah oui, c'est non, bon, ça fait. Tu leur mettes plein la vue, ma poule. Faut leur taper dans l'œil ou faut leur mettre... Ça te va comme ça? Hé, oh! Mais t'as failli me crever l'œil! C'est pour les amateurs d'Elvis, pas pour les obsédés d'Espo. C'est comme ça que je danse. Tu prends ou tu laisses, à toi de voir. Il faut juste qu'on en voit un peu plus. Pauvre type. Attends, Sibi. Qu'est-ce que tu cherches non, non, là? Attends, tu veux correct ça, Sibi? Non, c'est rien, ça, on s'est pas compris, c'est tout. C'est, toi, c'est pas tu que tu es. Oui, si d'accord. Non, non. Ouais, cool, cool, cool. Non, quand elle parle comme ça, je sais pas ce que ça me fait. C'est... Cinglé, oui. Mais non, c'est toi, mec, c'est de ta faute. T'aurais pas dû être aussi mal élevé avec elle. Allez, fous le camp, tu veux, dégage. C'est la dernière donne-moi fois que je te tiens un coup de main, mec. Donne-moi le fric. Tu rêves ou quoi? T'arrives à rien, et donne-moi ça. J'ai trouvé quelqu'un. Non, je te demande. Donne-moi le fric. Elle a intérêt à être bonne, et pas cintrée comme celle-là. Ouais. Elle a intérêt à être bonne, c'est moi qui te le dis. Que t'avais un rendez-vous? Oui, j'ai rendez-vous ici au Trocadéro, j'ai un engagement. Je me demande bien où sont les autres. Harold, le Trocadéro n'existe plus et quand il existait, il était en plein centre-ville. T'en es sûr, il est pas ici? Ah oui. Puis, écoute, t'as pas d'engagement aujourd'hui, t'en as plus depuis des années. Ma tête me joue des tours, on dirait, hein? Ah, bah c'est normal, t'as pas dormi de la nuit. T'es fatigué, voilà. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. D'ailleurs, je sais pas comment tu fais. 36 heures sans dormir. Oh, c'est une question d'entraînement. Il m'est arrivé de jouer deux jours d'affilée, même. Pourquoi dormir quand on peut rigoler? Se mettre au lit, oui, mais dormir sûrement pas. Ouais. Bon, et si on rentrait, maintenant? Ouais, ouais. Oui, pourquoi pas. Allez, viens. Si tu veux, on fera une impro sur le disque que tu m'as offert. Oui, mais bien il est. Il ferait pleurer n'importe quel brut. Frank Sinatra. Quoi, Frank Sinatra? Bah, c'est le disque que tu m'as offert. Oui, je sais, mais qu'est-ce qui te gêne chez Billy? Bah, rien. Ah. Non, je supporte plus. Je commence vraiment à en avoir marre. Il te fait de l'ombre, c'est pour ça? Ouais. Il est sympa et il joue du saxo comme un dieu. Ouais, sauf quand il souffre par le mauvais bout et qu'il s'en aperçoit même pas. Chut, Drazik. Il dort comme un bébé. Tu crois qu'il se réveillera un jour? Tout ce que je te demande, c'est de pas t'énerver s'il ronfle. Je trouve vraiment très sympa, mais je crois qu'il ferait mieux de retourner dans sa maison de retraite. Pas question, il paye son loyer, il reste ici. Tu veux pas admettre qu'il va très mal, vieux, c'est ça qui va pas. Il faut qu'il dorme, il est pas très bien parce qu'il a besoin de sommeil. Ouais, c'est pas moi qui paierai l'enterrement. Ah, déconne pas avec ça. Non, toi, déconne pas, c'est pas moi qui refuse de regarder la vérité en face. Il est incapable de s'occuper de lui, quand est-ce que tu le verras? Et il t'a pas fait de la peine? Si, il m'a fait de la peine, mais ce que je sais, c'est qu'il serait beaucoup mieux dans un endroit où quelqu'un dont c'est le métier s'occuperait de lui à notre place. Alors qu'est-ce que tu vas en faire, le jeter à la rue? Bon, d'accord, je me tire, et si tu veux, viens habiter ici, c'est toi qui vas venir jouer les martyrs. Et si vous arrêtiez de le prendre pour un enfant? C'est à lui de décider ce qu'il veut faire de sa vie. Ouais, comme si tu savais pas qu'elle lui échappe complètement. Ça, c'est un coup génial, ça va déménager. Ouais, ça, tu peux le dire. Je sens que c'est un tournant de ma carrière. Écoute, chez Despo, danse érotique tous les soirs. T'imagines ça, le business au service de la danse et de l'art chorégraphique. Ouais, c'est sûr, qu'est-ce que t'en penses? C'est de l'avoir. Oh, pas autant que moi, surtout que le cœur, il l'a eu pour une bouteille. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce cire? Exploiteur!
Le virlaire, est-ce pas planté comme ça? Et pourquoi moi? Tu veux voir un spectacle, oui ou non? Mais je sais pas quoi faire, moi, qu'est-ce que tu veux? Tu vois bien que c'est les féministes, comment tu veux que je sache? Ça suffit maintenant, allez, on s'en va. Arrêtez ça. Allez, dehors, tout le monde dehors. Allez, soyez sympas, c'est pour les hommes. Oh, magnifique. C'est comme se réveiller devant un ange. Une tranche de pain avec un peu de beurre et je monterai au paradis. Juré ? Harold, on a un petit problème. Ah ? Dis-lui, s'il te plaît. Drazik supporte mal votre présence ici. Vous n'êtes pas le colocataire qu'il... Comment dire, qu'il souhaiterait avoir. Il faut lui dire que je ne suis pas ici pour longtemps. Ah, t'inquiète pas, on va vite te trouver un autre endroit. Et quelqu'un pour veiller sur lui? Mais c'est pour ça que je suis là, je ne veux pas que quelqu'un veille sur moi. Ouais, Drazik pense que t'en as besoin. Mais qu'est-ce qui vous permet de... Merci. Qu'est-ce qui vous permet de dire que je ne peux pas me débrouiller tout seul? Où est le sucre, Harold? Et la douche? Et alors, c'est qu'un trou de mémoire. Non, c'est pas rien qu'un trou de mémoire, c'est beaucoup plus grave que ça. Ça fait au moins 10 fois que je lui dis, depuis qu'il est là, j'arrête pas. Il essaie de s'en souvenir, mais il n'y arrive pas. Harold, la moitié du temps, tu sais même pas où t'es, c'est pas vrai, ça? D'accord, je... D'accord. Oh, Seigneur. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça me fait froid dans le dos quand ça m'arrive. Par moments, je ne sais pas où je suis, je fais quelque chose et je ne sais pas pourquoi je suis en train de le faire. C'est pas évident, mon garçon. Ouais, je sais, j'ai pas de cœur. Oh non, tu as raison. Vous feriez mieux de me ramener là-bas. T'es pas obligé d'y retourner. Discute pas, Ryan. Allez, ramène-moi. Taisez-vous, du calme. Silence, maintenant. Les amis, voilà le moment que vous attendez tous. Et sans vous faire attendre plus longtemps, je vous demande d'applaudir très fort notre merveilleuse danseuse Nicky. Je croyais que tu reviendrais jamais ici, je suis content. Est-ce que tu veux que je reste auprès de toi? Pourquoi? Tu as peur que je m'écroule devant tout le monde? Non, je pensais que tu serais contente d'avoir un ami. Comme un cochon sauvage. J'en ai connu des pires. Mais comment vous faites pour vous épiler les jambes? C'est dingue, ça fait mal. Une crème spéciale pour s'épiler. Bah ouais. Comment tu sais ça? Je le sais, c'est tout. On va pas te faire des idées. Chris, tu nous caches des choses. Oh, Nicky! Content de te voir, hein? Tu nous as manqué. Bonjour, Nicky. Salut, Nicky. C'est ce qu'on était en train de se dire à l'instant, pas vrai, Denis? Ouais, on se disait que c'était dingue comme le lycée était pas le même sans Nicky. Oui, sans notre Nicky. C'est exactement ce que j'ai dit, ouais. Ah ouais, on est sincèrement très content que tu sois enfin guéri. Tu mens comme tu respires, Drazik. Ouais, ok, j'arrête. Ne fais pas semblant d'avoir changé avec moi. Sois toi-même. C'est-à-dire un enfoiré. Eh, je veux bien qu'elle me le dise, mais toi, tu la boucles. Si vous voulez vraiment me faire plaisir, continuez à vous comporter avec moi comme vous l'avez toujours fait. Non. On est content de te revoir. Merci.
Salut les tortues. Oui. Wow. T'es content, Kurt? Tu dois être tellement fier de toi, hein. C'est Wally qui doit être fier. C'était très courageux ce que t'as fait. Ouais, je sais. Mais tu vois, quand quelque chose doit être fait, c'est pas la peine de se poser des questions, alors tu le fais. T'attends pas que les autres le fassent pour toi, tu le fais toi-même. Non, ça va, ça va, arrête, ça va. On a compris. Heureusement que quand t'as dansé, je t'avais pas donné de micro. Là, ça aurait été vraiment... Oh, regardez, elle arrive. Ah, salut. Oh, elle est moche, c'est la race, là. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle est horrible. Pour être amoureux d'une tortue, faut être une tortue, hein. Ouais. Comme ça, tu peux déjà imaginer ce qui t'attend, n'est-ce pas? Vous avez bien fait de le ramener. Oui. Harold n'est plus l'homme que vous connaissiez avant. Je suis toujours son ami. Ça, au moins, il le sait. Harold, Ryan voudrait vous dire au revoir. Et vous devez vous préparer pour votre changement de domicile. Salut. Je continuerai à venir te voir. Vous pourriez vous serrer la main? Votre fils? C'est moi, Ryan. C'est le garçon qui partage votre passion pour le jazz, vous vous rappelez? Benny Carter était vraiment le meilleur, tu sais. Et je devrais écouter davantage de jeunes musiciens, c'est une chose que j'ai apprise. On doit vivre avec son temps pour durer. Vous trouverez peut-être de ces jeunes musiciens dans votre valise. Ryan vous conseille de regarder dans votre valise. Lorsque vous serez dans votre chambre, vous y trouverez quelque chose qui vous plaira. Un joli son nous suffira toujours. Allez, venez, Harold.